Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo de unboxing de deux diamond painting que j'ai reçu de la part de Koodeals. Je vous ai posté la dernière vidéo sur la chaîne il y a quelques semaines de ça. Ils ont vu la vidéo, ils m'ont proposé de rechoisir des images en fait. Soit des images qu'ils vendent sur le site, soit des images que je ferai faire en perso. Mais ce qui est vendu sur le site, malheureusement, ben, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il y a des problèmes au niveau des droits d'auteur. Donc généralement, ce que je fais avec eux, c'est que je cherche des images sur Pixabay. Parce que Pixabay, ben, ce sont des images qui sont libres de droit pour lesquelles on n'a pas besoin de licence. Et ensuite, eux, ils les convertissent en DP. Et c'est ça. Donc on va regarder deux images que j'ai choisies sur Pixabay. Je vais vous donner les artistes, je vais vous donner le lien vers les images. Ce sont des fleurs cette fois. Je change. Parfois je fais des portées, parfois je fais des portraits, parfois je fais des fleurs. Et je continue en fait mon partenariat avec eux, tout simplement parce que j'aime beaucoup la qualité de leur toile. Maintenant, ça fait plusieurs DP que vous voyez finis de chez Koodeals. Et à chaque fois, je suis généralement contente. De temps en temps, il y a des petits problèmes au niveau des conversions, au niveau des dégradés. Mais dans l'ensemble, moi, j'adore mon expérience sur ce genre de DP, des DP qu'ils proposent en fait. Ce sont des DP télé que je fais et les symboles, c'est nickel en fait. J'ai rien à dire. Donc, c'est ça, on va en regarder deux. Et comme d'hab, ils m'ont donné ce papier que vous pouvez mettre. Ils m'ont donné ça aussi. Oui, ça, c'est du papier. Vous voyez juste là, il s'arrête là. C'est du papier que vous pouvez mettre pour remplacer le film plastique. Et ils m'ont donné aussi la liste des DMC que je pense je vais laisser là-dedans parce que je vous ai montré dans un vlog que ces étiquettes, elles se détachent et elles se collent de partout. Je vais juste l'ouvrir pour m'assurer que j'ai pas autre chose. Ça va faire un petit bruit de plastique là le temps que je l'ouvre. Voilà. Ouais, j'ai l'impression que j'ai deux feuilles. Non, j'en ai qu'une. Ok. Mais vous savez quoi? Je vais la garder là-dedans parce que quand je range des diamants en fin de projet, j'aime bien ça. C'est déjà imprimé. Mais si vous le laissez pas là-dedans, les étiquettes elles vont être partout. Donc voilà. Ça, c'est cool. Et on va commencer avec la rose. Voilà, vous savez que j'aime beaucoup faire des DP de fleurs. Et au niveau des roses, je crois que j'en ai fait deux. J'ai déjà fait deux DP d'images de roses. Et j'adorais ça. Donc, la manière dont on ouvre, vous voyez, c'est collé tout là. Donc, je vais le défaire et enlever la toile du packaging. Ok, alors on la regarde dans ce sens-là. Oh! C'est de la colle coulée, hein, avec plusieurs. C'est ça que je vous dis. Les DP chez eux sont de très bonne qualité. Au niveau du ratio, oui, j'ai l'impression que c'est du 1 par 1 ou 1 par 1,25, quelque chose comme ça. L'image originale que j'ai imprimée, elle est là. Donc, alors attendez, voilà, je vous montre l'image. Donc, c'est une rose avec toutes ces petites. Toutes ces gouttes d'eau. Je pense qu'elle va être trop belle. Et c'est de l'artiste Susan-LU4ESM. Je crois que j'ai déjà choisi des images de cet artiste. J'aime bien ce qu'elle propose sur Pixabay. Donc avec le toolkit, avec la toile et les diamants, on a un toolkit. Je ne vais pas l'ouvrir parce qu'on voit tout à travers. Donc vous voyez, on a le stylet. On n'a pas de multiplaceur. On a un plateau. Un gros morceau de cire que je vais récupérer parce que je vois qu'il est bien opaque. Des pinces, mais moi je les aime pas trop, ces pinces en métal. Et quelques sachets refermables. Voilà, c'est un toolkit très simple. La toile, elle est là. Et les diamants, ils sont là. Ça vient en sachet refermable. Et on a une feuille de route. Donc ça, c'est cool. Donc en haut de la toile, lorsque vous commandez des DP perso, vous avez marqué Koodeals. Ça, c'est pour mon prénom, mon nom de famille. Numéro 1, donc je pense que c'est la première toile. La deuxième, ça va certainement avoir LB2, non? Ouais, vous voyez, LB2. Et là, ils ont estimé qu'un 40 par 45 était ou est suffisant pour cette image. Et RAB, je pense que c'est pour round. Ça, c'est pour diamant rond avec des AB. Parce que oui, maintenant, ils font des AB. Et je rappelle que les toiles chez Koodeals, elles sont toutes douces, vous voyez. C'est tout doux. C'est tout fini. Ils les ont changés récemment, là.
Et c'est ça que je vous dis. En ce moment, d'ailleurs, au moment où je filme cette vidéo, bon, je pense qu'au moment où vous allez voir cette vidéo, le DP sera fini. Mais je fais d'ailleurs un DP de chez Koudir. Je l'aime beaucoup. La petite fleur avec toutes les fleurs autour d'elle. Et là, donc, ils disent que c'est du 40 par 45. Mais normalement, ça comprend les bords blancs. Donc, j'ai pas pris de mètre, j'ai pris une règle. Je vais mesurer avec la règle. Donc là, on arrive à 30. Donc on a du 39,5. 39,5 au lieu de 45. Donc c'est ça que je vous dis. Le 45 contient les bords blancs. Et au niveau de la largeur, vous n'avez risque d'aboyer. Je crois qu'il y a Amazon qui est arrivé. Jusqu'à là, c'est 30. Voilà, ça c'est à peu près du 35 et pas du 40. Donc 39,5 par 35 cm. J'ai un rappel de l'image juste là en fait, comme vous pouvez voir. Donc j'ai qu'une légende, j'en ai pas deux, j'en ai qu'une qui est à gauche. Et ils utilisent un mélange de chiffres et de lettres. Donc je vous montre ça, on a les symboles et les DMC pour un total de 24 couleurs. Et ce que j'aime bien avec Koudir, c'est ça, c'est chiffres et lettres. Donc c'est facile. Lorsqu'on met les diamants en boîte, moi je peux les écrire manuellement, donc ça c'est cool. Je vais vous montrer la qualité des symboles, donc vous voyez comme c'est super bien imprimé. Il n'y a pas de cercle autour des symboles. Donc ouais, moi c'est ça que je dis, la qualité de leur DP est nickel là, en termes d'impression. Je vois qu'il y a un 5, il n'y a pas de S, donc ça c'est bien. Ok, là la caméra elle fait la mise au point. Ça va être que du rose, je vais me régaler. Vous savez que j'adore travailler avec le rose et le rouge en DP. Mais l'impression elle est nickel en fait. Hein. Regardez, je vois aucun problème. Alors en revanche, c'est de la conversion digitale donc vous avez beaucoup de confettis, vous voyez. Bon, étant donné que c'est un DP perso, je vais pas parler du confetti et du bloc, mais. Vous voyez, c'est beaucoup, beaucoup de confetti. Il y a quelques zones de blocs juste là, au centre. Mais c'est principalement du confetti. Je vais remettre la fiche plastique. Le seul truc sur le DP sur lequel je suis en train de travailler, c'est que la fiche plastique, il y avait des endroits. Aïe, 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 mince, elle est en train de se casser là. Il y a des endroits où j'avais du mal à l'enlever. Mais là, en bas, elle s'est cassée. Elle est très fine. Ça, c'est le seul problème. La fiche plastique est très fine, du coup, ben, ouais, ça se casse facilement. Là, en bas, je l'ai cassé à deux endroits différents. C'est pour ça que je vais remettre ma fiche dans ce sens-là. Voilà, vous voyez, je la remets comme ça pour éviter d'avoir des bulles d'air qui se forment. Elle est vraiment, vraiment, vraiment belle. Je l'aime énormément. Je pense qu'elle va être trop belle. C'est ça, le truc, c'est que généralement, les roses en DP, ça rend vraiment bien. Et c'est sympa à faire. Ben, moi, j'aime ça en tout cas. J'aime ça parce que ça mélange le bloc et de confetti. Mais mon Dieu, je regarde là, toute cette zone-là. C'est que du confetti. Et dans les pétales aussi, sauf dans le centre où on trouve plus de blocs en fait. Mais c'est que du rose, donc je vais me régaler moi. Regardez ça. Alors je vais l'ouvrir. Donc, ouais, je vais pousser la règle. Au niveau de la feuille de route, ben là voilà. Généralement, c'est bien imprimé. Généralement, c'est de bonne qualité. Voilà. Vous voyez. C'est nickel au niveau de l'impression des symboles. Elle est belle. Là, on a les DMC. Là, on a les quantités et le grammage par sac. On a le rappel de l'image originale. Et ouais, ça c'est bien pratique à avoir si j'ai pas envie de d'écrire les symboles manuellement sur mes étiquettes autocollantes avant de les mettre sur des pots. Donc de tout ce que je peux voir, on dirait qu'on a 3 AB. Je les cherche pour vous montrer comment ils les ont utilisés. Bien que bon, l'image elle est assez simple. Hein. Mais je serais vraiment curieuse de voir les 3 AB. Voilà, on a ça. Donc on a un violet, un rose pâle et un. Ben ça c'est plus un parme, un rose pâle et un violet. Et donc le 208, 208 c'est celui-là, c'est ce violet. Et où est-ce qu'ils l'ont utilisé celui-là? Symbole N. Je regarde l'image originale pour essayer de déterminer en fait où est-ce qu'ils auraient mis le symbole N. Il n'y en a pas beaucoup dans le sac, donc
Je ne m'attends pas à en voir une tonne non plus sur le DP. Mais étant donné que c'est toute la même couleur, c'est pas facile à voir. Ah, j'en vois un petit peu là. J'en vois un petit peu là. Mais j'en vois pas dans la rose. Ouais, j'en vois pas dans la rose. Je sais pas où est-ce qu'ils l'ont mis. Ça, c'est le ventre de Luna. Hein. Elle refuse de manger depuis 2 jours. Si vous entendez des bruits bizarres en arrière, c'est le ventre de Luna. Elle ne veut pas manger. Ça arrive de temps en temps et regardez, c'est comme ça. Et du coup, ça fait des bruits bizarres en vidéo. Ouais, vous voyez, je sais pas trop comment ils ont utilisé le N. J'arrive pas à le voir. J'en ai vu un petit peu là, mais je vois pas. Je ne vois pas le reste en fait. C'est imprimé en noir sur un fond violet. Mais en même temps, tout est violet. Donc, ouais, c'est. Luna me fait rigoler avec son ventre. Je ne le vois pas. Regardez. C'est pas grave. On va passer parce que je ne vais pas passer non plus 400 000 ans à regarder ça. Ensuite, on a le P. C'est le 210. C'est celui-là. Donc, le Parme. Et le P, où est-ce qu'ils l'ont mis? Est-ce que je vais arriver à le trouver, celui-là? C'est aussi un symbole imprimé en noir sur un fond violet, violet pâle. Mais je ne le vois pas non plus. Excusez-moi si vous entendez tous ces bruits à l'arrière. Les bruits du ventre de Luna. Vous voyez, celui-là non plus, je ne le vois pas. En même temps, bon, il n'y en a pas une tonne dans le sac, hein, mais je ne sais pas où est-ce qu'ils l'ont mis celui-là. C'est ça le problème avec les fleurs, c'est que, ben, surtout ça, c'est monochrome, hein, c'est que du, ben, monochrome. Ouais, c'est principalement du rose et du violet, mais je ne le vois pas le symbole P. Je ne sais pas où est-ce qu'ils l'ont mis en fait. Parce que comme je vous ai dit, il y a des Indes qui sont vraiment confettis, comme tout ça, c'est vraiment confetti. Ah, ben voilà, je le vois éparpillé, maintenant que je regarde. Je le vois éparpillé en fait. Vraiment en toute petite quantité, donc je pense que ça va être joli comme je le vois là. Je le vois un petit peu là maintenant. Voilà. Mais c'est ça, c'est un point une fois de temps en temps. C'est pour ça qu'il n'est pas facile à voir. Donc c'est dans les pétales, mais c'est vraiment un point de temps en temps. Donc je pense que ça va être super beau. Et le 963, le rose pâle. Donc ils l'ont certainement mis dans les sections les plus pâles. C'est le cul. Oui, encore une fois, vous voyez, ils l'ont vraiment comme éparpillé dans les sections les plus pâles. Là, là, je le vois un petit peu là, un petit peu là. Donc ça va illuminer un petit peu le tout. Ça va être trop beau. Je vais vous montrer les couleurs et on va faire un check rapide. Juste pour être sûr que j'ai bien tous mes diamants. Mais à date, ce que j'aime aussi avec Kudios, c'est que je n'ai jamais eu de problème au niveau des quantités. Ben, déjà, normalement, j'ai tous mes DMC et en plus de ça, ben, les quantités, je les ai. Donc, j'ai assez de diamants pour terminer mes projets. C'est ça que j'essaie de dire. Voilà, je vous montre la palette de couleurs. Si jamais vous décidez de prendre l'image et de la faire en perso, ça vous donne une idée des couleurs que vous allez avoir. Là, celui-là, je l'ai mis à l'envers. Oh, mais regardez cette palette de couleurs. Oh là là, c'est trop beau. C'est définitivement ce que j'aime. Vous le savez, ça. Vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, donc ouais, beaucoup de violet et de rose. Donc, je sais que ouais, je vais aimer travailler sur ce DP. Donc maintenant, on va juste vérifier que j'ai bien toutes mes couleurs. Donc j'ai bien le 1, le 2, le 3, 4. Ah, je vous ai même pas montré ce qu'ils mettent sur les sacs. Le 5, il est là. Ok, donc sur les sacs, vous voyez, vous avez toutes les informations que vous avez en haut de la toile. Ça, c'est vraiment toutes les infos qu'on a en haut de la toile. C'est la cinquième couleur du kit qui correspond à la DMC 718 et on a 6,2 grammes. Les sacs, ils sont bien épais, ils sont de très bonne qualité. Les diamants sont en acrylique, mais franchement, moi j'aime bien la qualité des diamants chez eux. C'est pas parce que c'est de l'acrylique que j'aime pas, non. Kudios, c'est vraiment bien. Donc, oui, on en était au numéro 5. Ensuite, le 6. Le 6, il est là. On n'a même pas regardé la quantité principale, mais je pense que c'est celle-là. Ben, quoique, là, on a 14,9, mais là, on a quand même 18,1. Ça, c'est la couleur principale du DP, le 3607. Je vais un petit peu rapidement, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup des unboxings de Kudios sur la chaîne, mais
Comme je vous dis, moi je continue le partenariat parce que je suis très contente avec les produits. Si j'étais pas contente, ben on s'entend, je continuerai pas. Alors je vais mettre ça là dedans. Donc juste pour confirmer, si vous commandez cette image, demandez un 40 par 45 parce que vous savez qu'avec les bords blancs, ça va être plus petit que ça. Donc commandez toujours un petit peu plus grand pour tenir en compte pour que ça tienne en compte les bords blancs en fait. Donc on en était au 7, là je vois le 9 mais il me faut le 8. Donc 8, 9, 10, 11, 12, 13, il est où le 13? Il est là, 13, 14, je vais mettre ça dans le packaging, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc j'ai bien toutes les couleurs, c'est ça, 24 couleurs. Oui. Donc c'est ça que je vous dis, j'ai tout ce qu'il me faut. Je pourrais le commencer là si je voulais. Mais bon, vous savez que moi déjà, j'aime pas travailler des sachets refermables. C'est pas quelque chose que j'aime. J'ai déjà testé et je préfère les mettre en pot en fait. Et ce que je fais, c'est que je prends ça et je le remets avec les diamants. Comme ça, je sais que ces diamants appartiennent à ce projet. Voilà, comme ça. J'ai l'image et j'ai les diamants juste là. Donc voilà encore la palette de couleurs que j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà pour la première image. Combien de couleurs j'ai dit qu'on a là-dedans? 24. Je vais noter ça sur ma feuille. 24 couleurs et on a 3 AB. Et la deuxième, c'est. Je crois que c'est un lotus. Je crois que ça représente un lotus. Donc je vais vous montrer ça. Donc même genre de packaging. Donc je vais ouvrir tout là. Alors on le regarde dans ce sens. Celui-là, je ne sais pas dans quelle taille ils me l'ont fait. 40 par 50. Donc le ratio est un petit peu différent. Oh, regardez comme elle est belle. Oh waouh! Elle est magnifique. Je l'adore. On va avoir des couleurs de l'arc-en-ciel là-dedans. Là, c'est pas très rangé, mais je vais le ranger tout à l'heure. Comme ça, je pourrais vous montrer la panoplie de couleurs. Mais il n'est pas trop beau, ce DP. Alors, attendez. Je vais... Ben, déjà, le tourquet, vous voyez, c'est la même chose. J'ai un gros morceau de cire. Ben, en fait, ce sont deux morceaux de cire qui sont mis les uns après les autres. Avec la pince, le stylet, le plateau, quelques sachets refermables. C'est un tourquet de base. Mais ce que je vais faire là, c'est que je vais... replacer le film plastique, pardon. Ah, encore j'ai cassé le film plastique. Il est très très fin hein, sur ce DP là. Non, ben vous savez quoi? Je vais le faire à partir de là parce que j'ai cassé encore le film plastique en bas. Ça c'est le seul petit négatif que j'aurais à dire sur ce DP. C'est que le film plastique est très très fin. Ouais, il devrait en mettre un qui est un petit peu plus épais parce que du coup, ben moi, je le casse. Là, voilà, je l'enlève le plus possible. Je vais tirer la toile un petit peu dans les deux sens. Et je vais remettre la feuille avec la règle. Oh oh, là je l'ai mal remise. Et c'est pas évident. Hein. Ouais, il devrait faire les fiches plastiques un petit peu plus épaisses. C'est quoi qui se passe là? Je crois que je l'ai mal remise en fait. Oui, je l'ai mal remise. Et là, je l'ai encore cassé. Ah, peut-être ça. Ah non, je ne l'ai pas cassé. Je pensais l'avoir cassé. Je ne l'ai pas cassé. Voilà, là, j'ai fait n'importe quoi, en fait. Voilà. Bon, on va s'en sortir, oui. Donc, je mets ma règle ici. Et je pousse le film plastique contre le DP. Voilà, nickel. Là,
Voilà, bon, c'est un petit peu mieux. Il y a encore des petits plis hein, dans le plastique. Je ne sais pas si vous les voyez, mais ça, c'est juste un pli dans le plastique. Mais le problème, c'est que là, ça me crée un renfoncement, vous voyez. J'ai créé des renfoncements en faisant ça. Donc, faites gaffe. Ouais, ça, c'est de ma faute. Hein. Mais, comme je dis, il faudrait peut-être que j'utilise... Voilà, j'ai arrangé un petit peu ça. Et ouais, il faudrait qu'ils utilisent un film plastique un petit peu plus épais parce qu'il est... Je le trouve un petit peu trop fin. Mais bon. Donc, c'est présenté de la même manière en haut. La toile, c'est la même. On a dans ce DP 35 couleurs quand même. Mais bon, en même temps, vous voyez, on a un petit peu de tout. On va avoir du violet, du bleu, du rose, du vert, du jaune. Peut-être un petit peu de rouge. Je sais pas. De l'orange, je pense. L'image originale, elle est là. Regardez comme c'est magnifique. Et ce qui est bien sur Pixabay, c'est que c'est de haute résolution. Hein. Donc, c'est ça. Quand vous faites des persos, assurez-vous d'avoir des images en haute résolution, de haute résolution. Et l'artiste de cette image, c'est Akadarce. Akadarce. Je vous mettrai le lien de cette image en barre d'infos. Et ce qui est cool aussi sur Pixabay, c'est que vous pouvez faire un petit don à ces gens-là. Même si vous leur donnez comme, je ne sais pas moi, 5 dollars, 3 dollars, ils seront contents. Ça les supporte en fait. Ça les soutient, je devrais dire. Supporter, c'est en anglais. Hein. Support the artist. Mais c'est vrai qu'en français, on dit soutenir les artistes. Mais ouais, elle est magnifique. Donc on va regarder les symboles. On a encore un rappel de l'image juste là. 35 couleurs. Au niveau des symboles, c'est encore des chiffres et des lettres. Là, en revanche, ils ont mis un 5 et un S. Bon, le 5, il est sur fond violet. Le S, il est sur fond bleu. Donc ça, c'est bien. Le U et le V, j'espère que je vais arriver à les distinguer, à bien les distinguer sur la toile. Et là, on a deux symboles, vous voyez. Ça, c'est pas grave. Ce sont des symboles assez faciles. Et au niveau de la toile, vous voyez encore une fois comme l'impression, elle est nickel. C'est ça que j'aime bien de Coudirs. L'impression, elle est belle. Là, il y a le S et on a dit que le 5, c'est sur fond violet. Là, on a un petit peu de rose, de vert avec le M. Ah, le 5, il est là, vous voyez, en plein milieu. Donc, je pense que ça va aller. Là, on a beaucoup de confettis dans le centre du lotus. Là, c'est moi qui ai créé... ce truc, juste là, malheureusement. Ouais, ça c'est de ma faute. Mais ouais, l'impression elle est nickel. Hein. J'ai rien à dire. Et sur celle-là, j'ai aussi un mélange de blocs et de confettis. Vous voyez, comme là, par exemple, le 4, c'est du bloc. Donc ouais, l'impression elle est super belle. Qu'est-ce que vous pensez de la qualité du DP? Ben, de la qualité, je veux dire de la conversion de l'image. Elle est pas trop belle? Moi, je l'adore. Alors, on va prendre la taille. Comme ça, je vais pouvoir marquer ça sur ma feuille. Donc, 40 par 50, on a vu que ça ne serait pas du 40 par 50. Donc, au niveau de la largeur, on est à du 35 au lieu de 40. J'ai l'impression qu'il faut enlever 5 cm, en fait. Je pense que ça va être du 45 de hauteur. Là, ouais, allez, je vais dire 45. C'est un petit peu en dessous de 45, mais je vais dire 45 cm, donc 35 par 45. Mais si vous voulez commander cette image sur Coudirs, demandez un 40 par 50, hein, minimum. Parce que plus petit que ça, ça risque d'être pixelisé, surtout dans le centre, en fait, dans le centre de l'image. Mais, oh, je suis obsédée par cette image. Elle est trop belle. Bien que là, je l'aime beaucoup. J'avoue que les couleurs dans celle-là sont très jolies. On va regarder les diamants. Alors déjà, la feuille de route, avant de regarder les AB. On va juste vérifier qu'elles soient de bonne qualité. Oui, c'est de bonne qualité. C'est bien imprimé. Il n'y a rien qui bave. C'est pas flou. Vous voyez, tout est nickel. Donc ça, c'est cool. Moi, j'apprécie ça. Quand on a une belle feuille de route comme ça. Et ah ben, je vais la garder. Donc dans ce DP, on a 3 AB. On devra avoir un blanc, un jaune et un bleu. Donc le jaune, il est là.
Le blanc, il est là. Et qu'est-ce que j'ai dit? Un bleu. Le bleu, il est là. Donc, je vais vous montrer les AB. Donc, le bleu, c'est le 996 et il ressemble à ça. Il est magnifique. Le blanc, c'est le 5200. Il est très discret, mais très joli. Et le 973, il ressemble à ça. Il est très beau aussi. Donc, comment est-ce qu'ils ont utilisé ça sur la toile? Donc, le blanc, celui-là, c'est le symbole Z. Et le Z, ils l'ont mis ici. Je le vois un petit peu là. C'est tout en fait, je le vois juste là, le Z. Je regarde là, là dans les sections blanches, mais je le vois pas, étonnamment. Donc j'ai l'impression qu'ils l'ont mis juste là. Bon, ça va être beau, hein, mais ouais. Ensuite, le jaune. Celui-là, c'est le symbole du Pi. Ils l'ont mis juste là, en fait, dans ces parties-là. Donc ça, ça va être trop beau. Et ensuite, le bleu. Il n'y en a vraiment pas beaucoup dans le sac. Ça, c'est un I sur le côté. Donc, c'est dans ces sections juste là, là, en fait. Ça, c'est plus facile à voir sur ce DP. Voilà. Et moi, je pense pas que je vais en rajouter parce que l'image reste simple. Mais ouais, ça va être trop beau terminé. On va faire un check des diamants. Donc, je vais mettre déjà les AB ici. On va voir un petit peu plus de couleurs par rapport à l'autre DP. Donc là, là et là, on va voir la palette de couleurs qui, je pense, va être très jolie. Et sur Pixabay, ce qui est cool, c'est que vous pouvez suivre les artistes. Donc quand ils mettent des nouvelles images, vous pouvez être avisé par email. Et moi, c'est ce que je fais. Donc quand je vois des images qui me plaisent, je les mets dans mes favoris, en fait. Comme ça, ça me fait des images que je peux choisir pour faire des DP. Hein. C'est cool. Là, il y en a encore quelques-uns. Là. Ah, je vois le 2, là. Le 2 est là. Ah, c'est une jolie palette de couleurs, ça. Très beau. Je vais mettre ça ici, sur le côté. Voilà, ça va vous permettre de voir le tout si vous voulez la faire en perso. Regardez comme c'est joli. On a du bleu, du vert, du jaune, du rose, du beige, du violet, du... Ben, j'allais dire du corail, mais moins celui-là. Et la couleur principale, je crois que c'est le 310 qui est là. Et ensuite, on a ça aussi en grande quantité, ça, ça. Ouais, et la qualité des diamants. Vous voyez, ils sont plats, les endos, là. C'est ça que je vous dis. C'est de l'acrylique, mais elle est de très bonne qualité. Comme je dis, si je continue mon partenariat avec eux, c'est que ben, j'aime la qualité des DP. Là encore, on a des endos qui sont plats. Ben, j'en vois quelques-uns qui sont piqués, quelques-uns qui sont plats. On peut regarder le dernier, on peut regarder le 333. C'est joli comme couleur, ça. Là, on voit des endos piqués. Mais la qualité, elle est bien. Et les DP, ils brillent bien. Donc, ouais, voilà. Voilà au niveau de la palette de couleurs de ce DP. J'aime beaucoup. Ça va changer un petit peu de faire des fleurs qui sont bien colorées. Donc, on va faire un check. On va juste s'assurer que j'ai bien mes 35 couleurs. Donc, j'ai vu le 2 tout à l'heure. Le 1 ne devrait pas être loin. Il est juste là, d'ailleurs. Donc, on a le 1, le 2. Ensuite, il me faut le 3 parce que je les remets dans l'ordre. C'est quoi ça? Ça, c'est le 11. Ça va venir tout à l'heure. Mais je cherche le 3. Là, j'ai le 4 et le 5. Et le 6 qui sont tous les uns à côté des autres. Est-ce que je n'ai pas le numéro 3 dans ce DP? Ça m'étonnerait quand même. Hein. Ah, il est là. Le voilà, c'est ça, c'est un marron. Donc 3, ensuite le 4, le 5, 6, 7. Je vais mettre ça dans le sachet. Dans le sac. 7. Ensuite, il me faut le 8 qui est là. Le 9.
Le 10, il est où? Là, on a tout à côté. 10, 11, 12. Ensuite, 13. 13, 13, 13. Il est là, 14, 15, 16. En même temps, les remettre dans l'ordre, dans le sac, ben, ça va être rapide lors de l'organisation des diamants. Parce que tout va être dans l'ordre, pardon. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, il est là. Ensuite 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31. Ok, et 32, 33, 34, 35. Nickel. J'ai encore une fois tous mes diamants. Donc c'est ça que je dis. Coup de chance, ils sont bien. Ils sont en train de s'améliorer parce qu'avant, bon, on a. Avant, on avait des toiles à l'huile. Hein. C'était pas des toiles toutes douces comme ça. Bon, elles étaient de bonne qualité, mais je veux dire, c'est ça, ils s'améliorent. Ils ont changé la qualité de leur toile. Ils ont rajouté des AB. L'impression des symboles, elle est nickel. Donc, pareil pour celui-là. Je vais prendre ça, le mettre avec les diamants. Et voilà, au niveau de la palette de couleurs, quand on regarde ça comme ça. Moi, j'aime bien regarder comme ça aussi, en fait. Ça me donne une idée de... Ben, une idée générale, en fait. Très beau. J'aime beaucoup ça, donc merci encore beaucoup Coudio de m'avoir envoyé CDP. Comme d'hab, ben, je suis très contente. Le seul truc, peut-être que je vais leur dire dans un email que la fiche plastique s'enlève, ben, elle se déchire en fait. Peut-être qu'ils vont pouvoir mettre des fiches plastiques un petit peu plus épaisses. Mais sinon, le reste, franchement, c'est nickel. Donc voilà les deux DP que je vous ai présenté dans la vidéo d'aujourd'hui. Ils sont magnifiques. Je suis contente d'avoir des fleurs parce que, vous le savez, j'aime faire ça. Et ils sont assez petits aussi que je vais pouvoir les mettre en portfolio une fois qu'ils seront terminés. Donc bon, je ne sais pas si je vais les faire cette année parce que j'ai d'autres DP de Coudiers aussi que j'aimerais faire. Bon, vous savez, j'ai une tonne de DP de plein de compagnies différentes. Mais je suis très contente d'avoir ces deux-là dans ma collection d'images de fleurs. Et voilà, donc si jamais vous avez des questions, ben n'hésitez pas à les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo. Moi, je vous mettrai comme d'hab le lien du site Coudiers, le lien où vous pouvez faire les persos. Et normalement, ce que vous pouvez faire, c'est mettre une image en fait sur la page. Il y a un bouton, vous pouvez mettre l'image, vous pouvez choisir la taille, le type de diamant. Moi, je vais pour du diamant rond parce que vous savez que le diamant carré, j'aime moins ça. Je préfère faire du rond. Donc, c'est pour ça que vous voyez principalement que du rond sur... sur les DP perso, c'est parce que c'est ce que je préfère. Et comme d'hab, si jamais vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les laisser dans la section des commentaires. Et puis moi, j'essaierai de vous aider. Mais sur ce, ben, moi, je vais vous laisser. J'espère que ce unboxing vous a plu. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!